Bien, je me présente, je m'appelle Jean-Eudes Arlot et je suis astronome à l'Observatoire de Paris. Et plus précisément, dans l'Observatoire de Paris, à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Alors, l'IMCCE, Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, c'est un laboratoire de recherche qui développe plutôt les études en mécanique céleste. Alors la mécanique céleste, eh bien, c'est le mouvement des astres dans le ciel, des planètes autour du Soleil, des satellites autour des planètes, de la Lune autour de la Terre. Tout ce qui bouge dans le ciel a besoin d'être modélisé. On a donc besoin des théories de mécanique céleste. Et donc ça, c'est notre travail. Et à partir de là, nous publions ce qu'on appelle des éphémérides, c'est-à-dire les positions justement de ces corps. Alors il y a des choses très simples, par exemple, quelle est l'heure du lever de soleil le matin à Paris, par exemple, eh bien c'est un calcul de mécanique céleste qui va le donner. Et d'un autre côté, quand vous entendez parler d'une sonde spatiale qui s'en va vers Mars ou Jupiter, eh bien là aussi il faut faire des calculs de mécanique céleste, fournir des éphémérides pour que la sonde spatiale trouve bien la planète Jupiter si elle va, si elle veut la visiter. Alors en astronomie, il y a tellement de choses à faire qu'on se répartit en équipes, c'est vrai. Et personnellement, je travaille sur le mouvement des satellites de Jupiter. Et pas n'importe quel satellite de Jupiter, les gros satellites de Jupiter. Ceux qu'on voit très bien dans une petite lunette ou même dans une paire de jumelles. Alors ces satellites, ils sont intéressants parce qu'ils sont presque gros comme Mars ou comme Mercure. C'est quand même des gros objets. Et vous savez que les sondes spatiales nous ont montré qu'il y avait de la glace, peut-être même des océans sur ces mondes. Donc ils sont extrêmement intéressants. Donc il faut les étudier et c'est des études qui sont très très longues. Les calculs sont astronomiques, c'est le cas de le dire. Alors dans une équipe, eh bien, on n'est pas très nombreux, on est 3 ou 4, c'est tout, et on se partage le travail entre la modélisation dynamique, c'est-à-dire qu'on écrit des équations de la mécanique céleste. D'un autre côté, on va faire des observations. On part au Pic du Midi, à l'Observatoire de Haute-Provence, ou bien au Chili, dans le désert d'Atacama, là où il y a des télescopes européens. Et là, on fait des observations. On enregistre la position des objets. On mesure certains phénomènes d'éclipses entre eux, des phénomènes de mutuelles, comme on appelle ça, d'occultation ou d'éclipses. Ou des positions tout simplement sur des caméras CCD, enfin ce qu'on a vraiment dans les appareils de photo numérique, des choses très simples comme ça. On ramène toutes ces données et on les analyse quand on est revenu dans le laboratoire. Après, on va confronter ces données au modèle de mécanique céleste que l'on a construit. Et ensuite, on va pouvoir fabriquer des éphémérides et dire voilà, prévoir où seront ces objets dans le ciel l'an prochain, dans un an, dans 10 ans. Et c'est vrai que c'est très important puisque quand on prépare une mission spatiale, eh bien, on la prépare de nombreuses années à l'avance. Donc il faut pouvoir prévoir où seront ces corps. D'ailleurs, vous pouvez voir que les éphémérides, c'est aussi les éclipses de soleil. Les éclipses de soleil, c'est une prévision de phénomène qu'on vous fait. On vous dit, ben voilà, l'an prochain, dans 2 ans, il va y avoir telle ou telle éclipse de soleil. Ça, c'est le rôle de l'IMCCE. Et en ce qui concerne les satellites de Jupiter, c'est le rôle d'une équipe de l'IMCCE. D'autres équipes s'occupent des planètes, des astéroïdes, des comètes et des autres satellites. Alors, il est vrai qu'on s'intéresse aussi aux autres satellites, pas seulement à ceux de Jupiter, parce que c'est un peu des systèmes qui se ressemblent. Des mathématiques. Ça vient de systèmes mathématiques qui permettent de résoudre des équations. Alors c'est vrai que quand on fait de la mécanique céleste, il faut avoir certains principes. Autrefois, si on veut remonter très très loin, on ne savait pas trop quelles étaient les lois, à quelles lois naturelles obéissaient les satellites et les planètes. Les planètes tournaient autour du Soleil, tout ce qu'on pouvait dire, c'est qu'elles allaient continuer à tourner, c'était tout. C'est ce qu'on appelait des mouvements cinématiques, c'est-à-dire qu'on disait, ben voilà, ça tourne, c'est périodique, la Terre met un an, et ben dans 2 ans, elle sera encore fait un tour de plus, et dans 3 ans, elle aura encore fait un tour de plus. Mais depuis Newton, on sait que, on sait, on a supposé, depuis Newton, qu'il y avait une force
entre les masses dans la nature. On a donc modélisé ces forces et, au miracle, on s'est rendu compte que les planètes, eh bien, elles suivaient bien ces lois décrites par Newton. Donc là, c'est beaucoup plus facile parce que, quand on va écrire nos équations, on va faire en sorte qu'elles obéissent bien aux lois de Newton. Alors on pourrait dire, ben maintenant c'est fini, tout marche bien. Eh bien non. Au XIXe siècle, on s'est rendu compte que la planète Mercure, ben, elle ne suivait pas les lois de Newton. En 1916, Einstein publie la théorie de la relativité générale. Eh bien, effectivement, Newton avait tort. Il n'y a aucune force entre les corps dans le système solaire et ailleurs. Il y a tout simplement un espace-temps qui est courbe et les planètes sont sur des géodésiques de cet espace-temps. Alors évidemment, c'est un discours différent, mais pas seulement, puisque la planète Mercure, qui n'obéissait pas aux lois de la mécanique céleste, maintenant, eh bien, elle obéit aux nouvelles lois de la théorie de la relativité générale. Donc en fait, il y a des représentations des lois naturelles qu'on se fait, qui ne sont pas parfaites. La théorie de la relativité générale, un jour on dira, ben, ça ne colle plus. Mais pour l'instant, c'est ce qui marche le mieux. Alors à côté de la mécanique céleste, il y a l'astrométrie. Alors l'astrométrie, c'est quoi? C'est la mesure depuis la Terre des positions précises des astres dans le ciel. Et on voit bien combien c'est utile, parce que plus c'est précis, plus on saura si nos lois de Newton ou d'Einstein sont bonnes. Parce qu'on va faire des mesures de plus en plus précises et un jour ça ne collera plus. Comme Mercure, on a mis longtemps pour s'en apercevoir que ça ne collait pas. Mais tout simplement, au XIXe siècle, on mesurait Mercure avec plus de précision. Et là, l'astrométrie nous a dit, eh ben ça ne colle plus avec votre modèle de mécanique céleste. Et il a fallu attendre la théorie de la relativité générale. Alors peut-être, pour l'instant, on n'est pas encore à démentir la théorie de la relativité générale, mais peut-être que dans un siècle, ça reviendra. Pourquoi j'ai fait de l'astronomie? Oh ben parce que ça m'intéressait. Mais je dirais que quand on est jeune, qu'on est étudiant, ah ben oui, l'astronomie nous intéresse. On vient dans un laboratoire et on fait un stage, on fait une thèse. C'est pas vraiment nous qui choisissons. Nous avons un maître de stage et un directeur de thèse qui nous disent tiens, regarde ce problème-là, on l'a jamais trouvé vraiment quoi faire. Débrouille-toi. Et à partir de là, je dirais qu'effectivement, ce sont mes directeurs de thèse et de stage qui ont influencé mon travail. Mais je voudrais dire une chose quand même, c'est que personnellement, je trouve que faire de l'astronomie, ça n'est utile que si on peut rendre son savoir aux autres. Et j'ai toujours été fasciné par les astronomes qui savaient expliquer ce qu'ils faisaient. Et en particulier, je voudrais citer André Braik, qui lui savait vraiment parler du système solaire. Alors je l'ai bien connu, c'est lui qui a été le président de mon jury de thèse. Et en fait, j'ai beaucoup aimé faire moi aussi de la vulgarisation, peut-être pas à son niveau, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'indispensable de rendre au public tout ce savoir qu'on accumule pendant des années et des années dans les observatoires. Alors, je vous ai parlé de mon équipe qui travaille sur les satellites des planètes. C'est quelque chose de très important puisque, finalement, s'il doit y avoir de la vie dans le système solaire, ce sera sur un satellite de Jupiter. Le satellite Europe, le deuxième satellite, il y a une banquise à sa surface et sans doute un océan en dessous. Un océan dont on devine que la température doit être peut-être même très agréable du côté de 20 degrés. Eh bien, s'il y a de la vie, ça pourrait être là. Donc vous voyez l'importance d'étudier ces objets. Donc il y a pas seulement notre équipe, il y a d'autres équipes en France et dans le monde qui s'occupent de ces problèmes-là. Alors nous avons travaillé avec des équipes aux États-Unis, à l'Observatoire naval de Washington, des relations très étroites, puisque moi j'ai fait un séjour d'un an là-bas, on a vraiment beaucoup travaillé, on travaille encore beaucoup avec eux. Je voudrais citer aussi l'université Lomonosov de Moscou,
où il y a un service de mécanique céleste à l'Institut Sternberg qui marche très très bien, et on a leurs chercheurs qui viennent chez nous tous les ans travailler avec nous. Ça, c'est pour la mécanique céleste. Et pour l'astrométrie, je voudrais citer l'observatoire de Rio de Janeiro, au Brésil, ainsi que l'université de São Paulo, toujours au Brésil, où il y a des gens qui font de l'astrométrie, des satellites, des planètes, et avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Donc ça, c'est vraiment des équipes avec qui nous travaillons, et tous les domaines de l'astronomie ont des équipes internationales qui travaillent entre elles. Alors la notion de société savante, c'est, j'allais dire, quelque chose du 20e, si ce n'est du 19e siècle. Et c'est vrai que c'était un accompagnement des chercheurs, parce que les chercheurs, ils étaient peu nombreux, il y avait toute une couche de la société très cultivée qui voulait participer un petit peu à ça. C'était une toute petite minorité. Donc je préfère parler aujourd'hui d'associations, d'astronomes amateurs ou d'associations de diffusion, de vulgarisation de la science et de l'astronomie. Il y en a plusieurs en France et je trouve que ces associations ont un rôle très important et que les astronomes sont là pour les aider, pour les former, parce que souvent, c'est des gens qui n'ont pas fait Bac plus 5 ou Bac plus 6 pour pouvoir avoir le droit d'avoir des cours d'astronomie. Pour avoir des cours d'astronomie, il faut vraiment aller très loin dans les lycées et collèges, il y en a très peu. On essaye aujourd'hui de refaire des cours, d'enseigner, d'aider les enseignants à parler d'astronomie. Et il y a aussi beaucoup de clubs d'astronomes amateurs avec lesquels nous travaillons, justement parce que c'est un outil nécessaire entre l'astronome professionnel et le grand public. Alors évidemment, quand on dit « je voudrais faire de l'astronomie quand je serai grand », il faut faire des mathématiques et de la physique. Et il faut être très bon en mathématiques et en physique. Donc ça, si vous avez envie, si vous avez le goût des mathématiques ou de la physique, vous aurez le goût de l'astronomie, parce que c'est des calculs, c'est... voilà. Mais tout le monde n'a pas le goût de faire de la physique et des mathématiques, c'est vrai. Alors, on peut quand même regarder le ciel, même si on n'a pas fait Bac plus 5 ou Bac plus 6, hein. C'est ouvert à tout le monde. Et pour ça, je conseillerais aux jeunes, non pas d'acheter un télescope, parce que l'utilisation d'un télescope n'est pas simple, en plus un télescope coûte cher, donc allez plutôt dans les clubs d'astronomes amateurs, où là, vous trouverez des gens qui connaissent très bien le matériel, qui connaissent très bien le ciel, et qui montreront aux jeunes, justement, le ciel. Là, vous pourrez voir Jupiter ou la Lune en vrai, dans un télescope. Donc voilà, il faut aller voir dans un club d'astronomes amateurs. Ce sera beaucoup plus facile pour un jeune pour avoir son premier contact avec le ciel. Là, les métiers de l'astronomie. Si quelqu'un a envie de faire de l'astronomie dans sa vie, il n'y a pas seulement astronome. Astronome, ça veut dire faire de longues études, après tout, et faire une thèse. Et ensuite, c'est pas fini, il faut travailler dans des laboratoires en CDD avant de décrocher éventuellement un poste d'astronome, de chercheur en astronomie ou d'enseignant-chercheur dans une université où on fera de l'astronomie. Alors le nombre en France, je dirais qu'on recrute peut-être une vingtaine d'astronomes, soit enseignants d'université, soit chercheurs au CNRS, soit astronomes, puisque astronome c'est un corps de fonctionnaires. Je dirais en tout ça fait une petite vingtaine. Combien y a-t-il de demandes ? Pas tant que ça, il y en a beaucoup, et c'est vrai que comme il y en a qui restent sur le carreau, ça fait mal au cœur. Mais je dirais que pour une vingtaine de postes, on a peut-être une cinquantaine de demandes. Donc la pression n'est pas si forte que ça. Quand on regarde dans la recherche, je dirais que en astronomie, c'est pas là où c'est le plus difficile. L'astronomie n'est pas le plus difficile. Mais on n'est pas obligé d'être astronome pour travailler dans l'astronomie. Si on a fait une école d'ingénieurs,
et qu'on est ingénieur, on peut très bien se former en astronomie et venir travailler dans un laboratoire d'astronomie. Parce que les observations, bah, qui c'est qui les fait ? C'est pas seulement les astronomes, c'est aussi des ingénieurs spécialisés qui, eux, vont connaître les télescopes ou les récepteurs ou l'instrumentation beaucoup mieux que l'astronome. Et puis il peut y avoir des ingénieurs qui sont des informaticiens et qui, eux, pourront connaître beaucoup mieux l'informatique pour programmer la modélisation du mouvement des corps du système solaire. Donc l'astronome, il a une connaissance assez générale, mais il a besoin d'ingénieurs et de techniciens spécialisés pour l'aider à construire sa recherche et à avancer. Donc il y a à côté du métier d'astronome des métiers d'ingénieurs à différents niveaux, parce qu'il peut y avoir des ingénieurs qui ont fait énormément d'études et qui pourront faire des choses très compliquées, et il peut y avoir des ingénieurs qui font qu'une programmation assez basique. Il y a vraiment tous les niveaux dans les ingénieurs et techniciens qui peuvent travailler dans la recherche. Alors évidemment, il y a les observatoires, mais pas seulement. Il faut penser à toutes les institutions et les organismes spatiaux, que ce soit le CNES, l'Agence spatiale européenne, tous les sous-traitants qui fabriquent les satellites. Tous ces gens-là ont besoin de compétences en astronomie. Et eux, c'est surtout des ingénieurs parce qu'ils font du développement d'instrumentation. Ce n'est pas de la recherche pure, c'est du développement. Et là, il y a aussi beaucoup de métiers de l'astronomie qu'on peut retrouver dans les instituts et organismes liés à la recherche spatiale.